miracles, countless miracles, countless testimonies, showering everywhere for me. Abundance of grace. How can I describe what you've done for me? Gloire à Jésus. Moi, mon nom, c'est Tawou Audrey Mariette, de la région du Sud Komwe, de l'Assemblée de Kakoukro. Bon, moi, mes impressions, en tout cas, au début, j'ai vraiment apprécié vraiment la retraite spirituelle. Parce qu'il y avait beaucoup de prières. En tout cas, on est vraiment rentré en prière. Mais ce que j'ai un peu déploré, c'est hier. Le classement d'hier, en tout cas, ça ne m'a vraiment pas plu. J'ai vraiment pas aimé le classement d'hier. S'ils peuvent vraiment revoir en tout cas quelque chose dedans, ça va nous faire du bien. Le message du vendredi, en tout cas ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment, en tout cas, ça m'a vraiment donné encore plus de courage, plus de foi encore dans la marche chrétienne. En tout cas, ce dimanche-là, moi je suis venu pour mon problème personnel. Je veux qu'en tout cas, au sorti de ce programme-là, en tout cas que des témoignages s'en suivent. En tout cas, que je revienne encore l'année prochaine avec encore de grands témoignages. Gloire à Dieu tout le monde. Je suis la sœur Marie Bléoué de l'Assemblée de Sikoji, dirigée par le pasteur Alexis Boko. Nos impressions, elles sont bonnes. Ça fait la 7e édition. Nous sommes venus. Le thème, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et nous avons foi que si l'Éternel est dans sa parole, nous allons faire des exploits. Et c'est pour cela qu'on s'est levé très tôt. Nous sommes déjà en train de lui dire merci, en train de chanter des cantiques à la gloire de son nom pour déjà les combats qu'il a menés pour la victoire qu'il nous a déjà donnée. Amen. Galilée, 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 Galilée.
Pourquoi vous êtes en joie ce matin comme ça? Pourquoi vous êtes en joie? Tellement on est content. Moi là, je n'ai jamais venu ici. C'est ma première fois cette année. Donc je suis tellement content dans mon cœur. Je sais que Dieu il m'a déjà exaucé. Voilà pourquoi on est en joie ce matin. Comment? Après ta demande jusqu'à ce jour. Comment vous avez vécu la promotion? Parce qu'elle a bien reçu. En tout cas, c'est bien reçu. Moi, tellement que ce qu'ils ont fait, j'ai vu là. J'ai vu mon nom, je suis content. En haut, du camp là. Aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Bon, aujourd'hui, ce que je veux Dieu fasse pour moi. Actuellement là, mon frère est malade gravement. Je veux que Dieu n'a pas guéri mon frère. Si vous avez la foi, Dieu fera. Dieu le fera. J'ai foi en Dieu. Et je sais que Dieu va faire. Il a déjà fait même. Dieu a guéri mon frère l'année prochaine, à même époque là. Il vient pour nous dire merci. Je dis merci à l'Éternel parce que vraiment, depuis j'ai commencé à assister à les retraites, cette année-là, vraiment, ça a été un boom dans le camp de notre ennemi, quoi, parce que le diable s'est levé, mais Dieu a triomphé. Cette année, nous avons vu que vraiment la retraite était vraiment intéressante. Il y a eu des témoignages. Nous bénissons Dieu parce que la main de l'Éternel était, et vraiment ça s'est bien passé. J'ai béni le nom de l'Éternel. Merci. Ce matin, aujourd'hui, dimanche 18, il y a Poupouze. Quelle est votre attente devant le Seigneur? Qu'est-ce bon. Que vous voulez que Dieu fasse précisément? Bon, mon attente devant le Seigneur, c'est que tous ceux qui sont venus à la retraite et vraiment qui ont mis leur cœur en Jésus, j'ai pris ce matin que tous les prières qu'ils ont faites, que Dieu les exauce et que l'année prochaine, vraiment, ils puissent rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Merci. Merci. C'est Yapo Achia Saint-Louis-Frido, je viens d'Abidjan Nord. En fait, nous sommes à retraite spirituelle. On dit le thème, c'est avec Dieu, nous ferons des espoirs. En fait, depuis ce mercredi, nous sommes là et nous avons vécu de l'espoir avec Dieu. En tout cas, nous, c'était très, 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 très merveilleux. Je vous encourage, mes frères et sœurs, de participer. Vous n'avez jamais regretté, tes amis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Salut, je suis de l'Assemblée de la Pierre Angulaire de la région d'Abidjan Sud. Voilà, je suis arrivé le vendredi sur les lieux à la retraite 2019 à Thiassalé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la retraite s'est très bien passée. Il y a eu encore plus de belles choses par rapport à l'année passée. Et Dieu merci, tout s'est bien passé, le concerto, tous les jeux. En tout cas, tout le monde s'est senti à l'aise. Ce matin, nous sommes déjà prêts pour la parade dans la ville. J'espère qu'encore Dieu va se manifester pour qu'on puisse sentir la présence de Jésus-Christ dans ces lieux. We'll be right back.
Shiro Mashama. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ de ce que en 2017 nous étions à Bandoukou. J'ai adressé une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne peux pas venir à Tiassalé et puis je suis encore dans le célibat. Et Dieu, dans sa grâce, en 2019, il a permis que je me marie. Venons à la vérité spirituelle, il faut mettre de sérieux dedans. Encourageons nos frères et nos sœurs qui n'ont pas encore expérimenté cette grâce dans la vérité spirituelle de venir participer afin que les espoirs dans leur vie soient développés au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est bon. Je vais lui dire merci en ce matin parce qu'il m'a délivré de la mort. Je peux dire d'ici le troisième mois, le 31e mois de 2019, j'étais allé travailler, moi et tous mes collègues, et lorsque on préparait, on dit gaz est fini, on partait et fait échange de gaz. Et ma collègue qui est partie faire échange de gaz, le gaz a pris tout le lieu. Elle est brûlée. Je vais dire merci à Dieu, parce que Dieu m'est épargné de la mort. En ce moment, quand ça l'atteint, ça doit m'atteindre, parce que c'est pour sa faute. Mais l'Éternel m'a épargné de cela. C'est pourquoi je lui dis merci. Tous mes trous sont brûlés. Tout ce qu'il y avait était brûlé, je n'ai pas vu. Ma vie était dedans. C'est ma vie seule qui s'était épargnée. C'est pour dire quoi? En toute chose, on t'a fait confiance à la Bible. On t'a cru à la Bible. Pourquoi on va croiser ces documents? C'est pas document, c'est la vérité. Lui-même est en train de se dire là. Amen. Alléluia. Moi, ce matin, je suis venu dire les merveilles de Dieu. Dans ma famille, on dit on ne va jamais réussir. Dans la retraite de Tabou, j'ai dit je m'avais semé. Quand j'ai semé, l'apôtre a prié pour mon enfant. Je dis Seigneur, fais de sorte que l'année prochaine, à Tiassalé, je puisse leur témoigner et dire merci à ce Dieu. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Moi qui n'avais pas semé, mon enfant a eu bac. Beaucoup de fois, je rends gloire à Dieu ce matin.
débordant d'amour pour le Seigneur. Si tu aimes Dieu plus que toute chose, si tu as de la passion pour le Seigneur, si dans ta vie, rien n'a plus de valeur que Dieu, et que Dieu seul a toute la place dans ton cœur, il faut que cela se sente dans ton expression, dans ta position, dans ta façon d'envoyer à l'Éternel la louange et la reconnaissance et l'adoration. Dieu qui mérite l'adoration, toi seul es le Dieu qui mérite la confession, toi seul es le Dieu qui mérite d'être proclamé, toi seul es le Dieu qui mérite d'être élevé, toi seul es Dieu. J'ai raison de m'adorer, de me consacrer, de me proclamer. Le Dieu de mon épouse, le Dieu de mes affaires, le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vocation, l'Éternel, mon appui, mon rocher, ma paix, ma joie, ma force, mon allégresse, ma confiance, ma paix, mon estime, mon intelligence, tu es ma sérénité, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es l'Éternel. À toi seul sur la gloire, toute mon âme t'appartient, les âmes en ces lieux t'appartiennent. Soit pour ton honneur et soit pour la gloire de ton nom. Sois béni
dans le nom puissant, dans le nom prestigieux, dans le nom incomparable, dans le nom merveilleux, dans le nom élevé, dans le nom sublime, dans le nom plein, dans le nom glorieux de notre Seigneur. Père, que ta gloire te revienne à toi et que l'adoration te revienne à toi. Nous te bénissons ce matin. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Pour conclure, pour mettre le point d'honneur et pour mettre fin à ce programme, c'est lui que Dieu a mandaté, c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu, dans sa présence, dans son omniscience, a programmé. Retenez que la véracité, la crédibilité, l'authenticité de la parole de Dieu dans sa bouche ne souffre d'aucune zone d'ombre. Bien-aimé, c'est un homme qu'on ne saurait tarir de loge. Nous pouvons passer des moments à le présenter. Je l'ai dit vendredi et j'y reviens. Et si on pouvait l'immortaliser, je pense qu'à l'église de Pentecôte, on pouvait le dire sans se tromper, c'est un monument en matière de ministère. Si c'était dans le monde, on devait le décorer, on devait l'élever au rang de chevalier du mérite national, de par sa manière de faire, de par son sens d'organisation. Je vous prie, peuple de Dieu, en vos rangs, en vos grades, en vos qualités, spécialement pour l'honneur qui est dit à notre Dieu, pour cet homme, de vous tenir debout et nous allons ovationner. Celui-là même que Dieu a mandaté ce matin. Dieu a donné le lot de créances. Je vous prie de recevoir l'apôtre de région de Yabi Tiassa, l'apôtre Pao, Elo, Francis, Abraham. Je vais entendre le bruit des instruments. Je veux que ce lieu enflamme pour accueillir cet homme de Dieu, ce véritable homme de l'éternel, ce grand bâtisseur, ce grand visionnaire, ce tigre de l'évangile, ce bulldozer, ce caterpillar. Oui. Alléluia. Bien-aimé, que toute la gloire revient à notre Dieu. Nous ne sommes rien sans lui. Bien-aimé, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Tu peux bien commencer et mal finir. Tu peux mal commencer et bien finir. Et je veux que ce matin, tu puisses bien finir pour que tu rentres chez toi impacté par la puissance de Dieu. Le thème, c'est comment faire pour avoir une percée financière avec Dieu. Qui souhaiterait percer financièrement? Bien-aimé, la percée financière veut dire prospérer financièrement. La prospérité financière est possible avec Dieu. Selon Jean 3, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je dis alléluia. La prospérité financière, quand il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité financière est à trois niveaux. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire une bonne santé spirituelle. Sur le plan matériel, c'est-à-dire avoir des biens, des maisons, des plantations, des objets de valeur, etc. La prospérité financière aussi, c'est avoir aussi un compte bancaire bien fourni ou avoir des affaires qui te rapportent beaucoup d'argent. Je crois que ce matin, quelqu'un, en quittant ce lieu, ses affaires vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce matin, quelqu'un qui n'avait rien, lorsque nous allons retrouver quelque part encore, qui sera annoncé à la fin de la retraite spirituelle, tu vas rendre témoignage parce que Dieu va te bénir financièrement. Bien-aimé, pour avoir l'argent, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Les bruteurs, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils vont sacrifier une partie de leur corps avec les démons pour avoir de l'argent. Les mystiques, les cancers, les loges. Si tu appartiens à ces loges ou à ces sectes-là, il y a des principes dans lesquels tu te places pour obtenir de l'argent. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la prospérité financière est liée à Dieu. Dis amen, s'il te plaît. Dieu ne peut pas nous bénir
sans que nous n'appliquions ces conditions. Je veux dire quoi par là? Dieu bénit lorsque tu es dans ces conditions. Dieu ne bénit pas sans condition. Nous allons lire Deutéronome 28, les versets 1 à 2, que beaucoup de personnes connaissent. Parole du Seigneur. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pour nous les chrétiens, notre prospérité est liée à Dieu. Or, Dieu ne bénit pas sans condition. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. La première condition pour que le chrétien puisse recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de demeurer dans l'alliance de Dieu. Demeurer dans l'alliance de Dieu. Demeurer avec Christ. Demeurer dans l'alliance de Dieu, c'est quoi? C'est se consacrer à Dieu. Pour que Dieu puisse bénir une personne, il faut que la personne soit en Jésus. Je parle des chrétiens. Il faut que la personne soit consacrée. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Comme Romains chapitre 12, verset 1 dit, je t'exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos mains, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, vous ne pouvez pas prospérer si vous vivez dans le désordre. Le péché est la mère de la pauvreté. Tant que tu vas vivre dans le désordre, tant que tu vas vivre dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir parce que Dieu est un Dieu saint. Il dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui vont te suivre. 1 Timothée 2, verset 19, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Toute personne qui dit Jésus doit s'éloigner de l'iniquité. Adam et Ève ont été créés, Dieu les a créés, Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, là où il y avait l'abondance. Là où il y avait la prospérité, il ne faisait aucun effort. Mais ce qui a permis à Adam et Ève de quitter l'abondance pour aller dans la disette, c'est le péché. Il faut que vous compreniez. Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis en face à 80% des jeux. Qui sont la force et la vie de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Bien-aimé, si nous voulons que Dieu puisse nous bénir, il nous faut nous éloigner du péché. La Bible dit lorsque Adam et Ève ont péché, les yeux se sont ouverts et sont venus. Pourquoi? Parce que le péché a enlevé sur eux la dignité. Ce qui faisait de leur vie une gloire. Le péché enlève la dignité, enlève la grâce. Le péché enlève la grâce. Et des personnes peuvent vendre des choses. Il suffit qu'elles vendent. Elles ne font pas d'effort, tout fini. C'est une grâce. Mais cette grâce s'entretient. Attends, être dans la grâce. Mais quand ils ont péché, cette grâce a été ôtée, sont venus. Quand une personne est pauvre, elle manque d'honneur et de dignité. Le pauvre subit toujours. Il est obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire.
la pauvreté ne partira pas de votre vie. Obéir à la voix de Dieu, c'est marcher dans les principes de Dieu. Dans la Bible, toutes les personnes qui sont consacrées à Dieu, Dieu les a bénies. Joseph a refusé que la femme de Potiphar puisse l'éloigner de la grâce. Il a dit une parole très forte. Il dit, comment ferais-je aussi grand mal à Dieu? À cause de sa consécration, de sa fidélité à Dieu, cela l'a introduit dans la prison. Mais si toi tu es consacré à Dieu, et que cette consécration te pousse à la souffrance, je vais te dire, persévère. Parce que personne ne se consacre, personne ne souffre pour Dieu sans recevoir la faveur et la bénédiction de l'Éternel. Joseph est resté en prison. Mais de la prison, il a été le conseiller de Pharaon. Il a été premier ministre en Égypte parce qu'il était consacré. Bien-aimé, si vous ne donnez pas tout au péché, le Seigneur ne va pas intervenir dans votre vie et vous n'aurez pas la faveur de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui font du commerce et rien ne va. D'autres font des affaires, mais rien ne va. Ce matin, révise ta vie. Il y a des pasteurs aussi qui font le ministère, rien ne va. Révise ta vie. Et tu verras que le Seigneur te bénira. Si vous demeurez dans l'alliance de Dieu, le Seigneur va commencer à vous bénir. Si tu demeures avec Christ, le Seigneur va commencer à te bénir. Mais être dans l'alliance de Dieu ne suffit pas pour recevoir la prospérité. C'est-à-dire, être fidèle à Dieu seulement, se consacrer à Dieu, ne suffit pas pour que Dieu puisse te bénir financièrement. Il te faut une deuxième chose, c'est le travail. Alléluia. Bien-aimé, ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, consacré, fidèle à Dieu, cela va mener à Dieu chaque matin de déverser les billes de banque dans votre vie. Jamais, c'est faux. La Bible dit, celui qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Il faut le travail. C'est le travail qui fait de toi un responsable. Et Dieu s'appuie sur le travail d'une personne pour apporter ta vie la prospérité. Bien-aimés, ne soyez pas des paresseux. Jeunes de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, le Seigneur va vous bénir. Dieu veut changer votre destinée. Mais ce qu'il vous faut, il faut que vous travailliez. N'ayez pas peur. La Bible dit, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La disette comme un homme en armes. Bien-aimé, la paresse, le manque de travail attire sur ta vie la pauvreté. Vous ne pouvez pas être prospère financièrement si vous êtes paresseux. Selon Proverbe 13, verset 14, quand on le lit cela. Ne livre pas ta vie à la mort. Beaucoup de personnes meurent sans que Dieu les appelle parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils sont malades. Pour une ordonnance de 4000 francs, la mort arrive. Beaucoup de gens, Dieu va les demander, mais tu es venu ici pourquoi? Ce n'est pas content. Il dit, mais Seigneur, je suis mort. Il n'y avait pas l'argent pour acheter des médicaments. Ce matin, je vais pousser les jeunes pentecôtistes à travailler.
viennent pour exploiter cette richesse. Et nous, les Africains, nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas travaillé. Il y a un de mes fils qui est chez les Blancs. Pendant ces 5 années là-bas, il m'a dit, papa, les Noirs, ils n'aiment pas travailler. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, quand tu es chrétien, tu portes une nouvelle identité. Quand tu es chrétien, tu portes Christ en toi. Ta nature n'est pas la nature de ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, si les païens sont paresseux, toi, chrétien, tu dois être un travailleur. Alléluia. En quittant ce lieu, fais quelque chose de tes mains. Lève-toi. Ne reste pas dormi dans le sein de ton père ou de ton homme. Fais quelque chose de tes deux mains afin que Dieu puisse te bénir. Beaucoup attendent que le gouvernement puisse les trouver du travail. Écoute-moi bien. L'État a des problèmes. Mais ta réussite est en toi. Je dis que ta réussite est en toi. Alléluia. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'argent pour réussir. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un rêve. Une idée. Tant que vous ne rêvez pas, votre destinée ne va pas s'accomplir. C'est le rêve que tu as qui te pousse à accomplir tes sacrifices. Je le dis aux jeunes gens, aux jeunes filles, qui comptent sur les hommes, afin que les hommes puissent prendre soin de leur vie. L'heure est venue où les pentecôtistes doivent s'élever. Si tu as un diplôme et que tu passes les concours et que tu n'arrives pas à avoir le travail, utilise tes compétences, utilise ce que tu as appris à l'école et ouvre toi-même un emploi. Commence par rien du tout et Dieu, dans ton faible commencement, va te lever. Est-ce que tu m'entends ce matin? Bien-aimé, ne permettez pas à la société de faire de vous des chômeurs. Refusez cela. Jeune homme, ne permettez pas à la société de faire de vous des chômeurs. Vous avez en vous quelque chose. Tout ce qui te force, c'est une idée. C'est une vision. Quelle est la fin de ta vie? Où tu veux aller? Comment tu vois ta famille? Comment tu vois ton foyer? Tu vas à l'école. Qu'est-ce que tu veux être demain? Qu'est-ce que dans ton esprit? Bien-aimé, ceux qui réussissent sont des personnes qui ont une grande vision. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne comptez pas sur le pays. Ne comptez pas sur la Côte d'Ivoire. Mais comptez sur Dieu pour votre réussite. Comptez sur Dieu pour votre réussite. Dieu attend que ses enfants se lèvent. Beaucoup disent, je ne travaille pas. D'autres ont des maîtrises, ont des doctorats. Bien aimé, tu es en toi l'Esprit de Dieu. La Bible dit, il viendra et vous enseignera toutes choses. Tu peux être simplement un coiffeur et par la coiffure, Dieu va te rendre un homme connu en Côte d'Ivoire. Tu peux être simplement un tailleur et Dieu a fait de toi un homme fort en Côte d'Ivoire ici. La Bible dit, je bénirai le fruit de votre main. J'ai toujours encouragé mes fidèles et Tchassani pour ceux qui travaillent. Quand tu travailles et que tu as un salaire, le salaire que tu donnes, c'est un capital pour que tu puisses ouvrir ton entreprise. En quittant ici, que chacun ouvre son entreprise. Amen.
que chacun ouvre son entreprise. Vous m'êtes être autonome que de voir les gens chaque matin arriver au bureau. Le type, il a sa mine, sa femme l'a chauffé à la maison. Il arrive, il met tout sa colère sur toi. Pourquoi? À cause des miettes. D'autres n'arrivent pas à dormir. À 5 heures, le Marocain ou le Libanais lui dit tu dois être là à 6 heures. Comme il dort à Koumansi et il travaille à Yopougon, il est oublié de se lever à 4 heures du matin pour venir les embouteillages. Ne soyez pas esclaves. Vous avez un grand Dieu. Vous avez un grand Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas un homme pauvre. Tu n'es pas un homme pauvre. La richesse est en toi. Mais tu es en train de garder les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Là, il dit, il y avait 3 serviteurs que le maître les a remis des talents. Le premier a reçu 5, le deuxième 2, le dernier 1. Là, il dit, les 2 premiers ont travaillé avec les talents. Ils ont eu le double de ce qu'ils ont reçu. Mais le dernier, il est allé enterrer son talent. Mais quand le maître est venu, il a eu des problèmes avec le maître. Le maître a dit paresseux. Paresseux. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Alléluia. Vous devez être des bosseurs. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent que tu dois avoir d'abord afin d'ouvrir une entreprise. Et que tu sois là où tu te trouves. Même tu es dans le ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu comptent sur la porte Yahoo Bio. Je vais vous choquer ce matin. Moi, je ne compte pas sur la porte Yahoo Bio. Alléluia. Ce n'est pas Yahoo Bio qui m'a appelé. C'est celui qui est dans le ciel. Celui qui est mort à la croix de Golgotha. Celui qui est resté dans les morts. C'est lui qui m'a appelé. Donc si je manque d'argent, c'est à lui que je vais crier. Alléluia. Arrêtez de compter sur les hommes. Vous avez en vous des capacités. Vous avez en vous des capacités. Vous mourrez pour rien. Tu peux vendre quelque chose. Tu peux faire un champ. J'ai vu un jeune Bouknabé qui est mon voisin. Alléluia. Quand il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de voisin en entreprise. Est-ce que tu m'entends? Amen. Mais le jeune homme, il se fait beaucoup d'argent simplement avec les petits vivriers. Il y a un monsieur ici, on appelle Alassane Fago, là en Syrie. Le monsieur, il a des voitures simplement parce qu'il vend des fagots. Mais nous, les jeunes chrétiens, chaque jour nous parlons en langue seulement. Écoute-moi bien, tu vas jeûner, prier, la pauvreté va te surprendre. Parce que la prière n'envoie pas l'argent. Le jeûne n'envoie pas l'argent. C'est le travail qui envoie l'argent. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Arrêtez d'être paresseux. Déjà même, écoute-moi bien, quelle que soit la fonction dans laquelle tu te trouves, tu dois être meilleur. Meilleur dans tout. Meilleur en tout. Meilleur en tout. Bien-aimés, vous les femmes qui comptez sur vos maris, le jour que tu vas l'enlever, tu vas comprendre. Il s'abat au bord
d'une place dans un grand hôtel et il dépense. Son âme se réjouit parce qu'il a travaillé pendant des mois, pendant des années et il se repose. Mais nous, nous n'avons pas de repos. Pourquoi? Parce qu'on n'en a rien. Quand tu n'as pas l'argent, tu deviens aigri. La pauvreté rend l'homme aigri. Beaucoup de chrétiens ne repos au ciel. Beaucoup de chrétiens ne repos au ciel. Pourquoi? Parce qu'un vrai chrétien qui passe à ta voiture, il dit, ah, c'est un voleur. Il vole l'argent de l'État. Mais pourquoi tu le juges? Est-ce que tu le connais? Tu sais ce qu'il fait? Tu vois une petite fille dans un 4x4. Oh, celle-là, c'est lui, vos garçons. Mais attends. Toi, il y a en toi la richesse et tu dors. En quittant ce lieu, en quittant Dieu salé, si tu es pasteur, si tu es apôtre, si tu es fidèle, si tu es responsable d'église, en partant, même si tu as un emploi, ouvre toi-même ton entreprise. Est-ce que tu m'entends? Ne compte pas sur la Côte d'Ivoire, mais compte sur Dieu. Relevez les défis. Relevez les défis. Samson voulait une femme. La Bible dit, un lion l'a croisé sur le chemin. Il dit non, je ne donne pas cette femme. Et il a tué le lion. Dans ce lion se trouve du miel. Quelle que soit l'épreuve, regarde ta vision. Ta vision va te pousser à te consacrer, à payer le prix, à supporter la souffrance. Mais à la fin, tu auras du miel. Alléluia. Alléluia. Bilbe, il y a beaucoup d'hommes qui me critiquent, mais ils ne me connaissent pas. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Amen. Aujourd'hui, si l'église de Pentecôte se trouve à Bassa, il y a un prix que j'ai payé. Je pouvais fuir, mais j'ai dit non. Le lion ne doit pas m'arrêter. Goliath ne doit pas m'arrêter. J'ai regardé l'éternel Dieu Tout-Puissant et j'ai coupé la tête de Goliath. Aujourd'hui, il y a une église à Bassa et il y a un apôtre sur l'église. Huile de prière. Rien n'a fait reculer. Bien-aimé, ne recule pas. Ne recule pas. Si tu as fait connaître que c'est tombé, il faut reprendre encore. Reprends, reprends, reprends. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. Tu t'es dans la paresse. Ayez de grands rêves. Relevez les défis. Exploite ce qui est en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Avance. Défense. Car Dieu est avec toi. Au moment où Saül avait peur de Goliath, David a dit à Goliath, il dit, aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais la donner aux oiseaux du ciel. Amen. Est-ce que tu es capable de dire à la pauvreté, toi, au nom de Jésus-Christ, je t'ai coupé ta tête. La Bible dit, avec Dieu, ils feront des espoirs et il crassera la tête de nos ennemis. Amen. Il y a trop de paresseux. Je qui passe tout le temps devant l'internet à ne rien faire. D'autres prient pour avoir le bac. Bac, on gagne ça dans la prière. On gagne ça dans le travail, dans l'étude. Est-ce que tu m'entends? Prier jeune dans le papa. Mais c'est le travail. Bien-aimé, nous les patriotistes, nous devons être excellents. Nous devons occuper les grands postes dans ce pays. Des grands hommes d'affaires. Des grands hommes d'affaires. Des députés. Hey, yes. Des ministres. Ouais. Des maires. Amen. Si Dieu permet à l'avenir, même des présidents. Hey. N'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tout ce que tu as besoin, c'est un rêve. Et détruis ce rêve par complice tes désirs. Est-ce que tu m'entends? La troisième chose, pour entrer dans la prospérité, il te faut te lier avec des gens qui peuvent te propulser dans la grandeur.
Est-ce que tu m'entends, monsieur bien-aimé? Proverbe 22, verset 19. Verset 29 plutôt. C'est un verset que j'ai écrit sur mon placard. Je l'ai collé sur mon placard. Ce qu'il te faut, je vais lire. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Bien-aimé, tu peux réussir quelle que soit ta position sociale. Chez Dieu, il n'a pas de favoritisme. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il y a des personnes qui ne peuvent pas t'amener à devenir grand. Pour grandir, il y a des choses qu'il faut faire. Si tu es dans l'alliance avec Dieu, si tu travailles, ce qu'il te faut, il faut te connecter avec des gens qui ont déjà réussi dans ton domaine d'activité. Est-ce que tu m'entends? Si tu es pasteur, tu as 400 fidèles, et puis ton camarade que tu as comme ton meilleur ami, lui il a 100 fidèles. Vous allez parler de quoi? Alléluia. Bien-aimé, la connexion est très importante pour la prospérité. Il y a une dame qui a été une femme forte. Elle est de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle n'est plus déléguée de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Mais que les pères connaissent cette dame. Madame Kanga. Elle a dit une chose, une fois c'est ma chose qui m'a dépassé. Elle dit qu'elle faisait le commerce. Elle partait à Noé, chez les Ghanéens, allait prendre un peu de trucs et elle venait vendre. Et chaque fois, elle montait au Togo, au Bénin, faire de l'achat. Et un jour, elle s'approchait d'une femme qui avait un grand magasin d'habits. Elle dit, maman, je suis venu auprès de toi pour apprendre. Je vais être comme toi. Et elle s'est connectée à la femme. Et ta femme a dit, cherche tel montant. Je vais prendre ta main. Je vais t'envoyer au Brésil. La madame Kanga, elle a fait son premier voyage. Quand elle est revenue, elle est devenue femme millionnaire. Elle a dépassé même celle avec qui elle s'est connectée. On l'a connue sur l'année 90. Elle concurrençait les Libanais à la rue 12. La connexion. Qui est ton ami? Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Il est important d'avoir des connexions. Alléluia. Amen. Si ton ami ne te challenge pas, ne te booste pas, c'est pas toi de lui. Est-ce que tu m'entends? Si tu as un camarade qui passe tout son temps à bavarder pour ne rien dire, c'est pas toi de cet ami. Est-ce que tu m'entends? Si tu as un camarade qui veut qu'il parle des choses bizarres, qu'est-ce que tu fais de lui? Connais-toi des personnes de percée, des gens qui ont une grande vision. Est-ce que tu m'entends ce matin? Pentecôtiste, vous avez en vous quelque chose. Mais ce qui fait que vous êtes encore pauvre, c'est parce que vous êtes encore connecté avec des personnes qui ne sont pas de valeur. La vie est faite des hommes dans le réseau. Regardez, vous prenez Ivan Castanou. Où je suis arrêté, moi j'ai 20 ans de ministère. Mais Ivan Castanou n'est pas 20 ans de ministère. Mais là où il est arrivé, j'ai même pas fait son 1/10. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est connecté au grand. La connexion, c'est important. Avec qui tu marches? Qui est ton conseiller? Qui est ton père spirituel? Qui est ton mentor? Qui est ton ami? Un homme qui ne travaille pas, tu fous avec lui. Va te contaminer l'onction du chômage. Est-ce que tu m'attends? Amen. Blague à Dieu. En quittant ici, tous ceux qui jouent Lido, Awale, Dam, si tu es avec eux, arrivé dans ta région, dans ta ville, dis-le mon ami, aujourd'hui c'est fini. Amen. La connexion est très importante. Bien-aimé, celui qui te fréquente, la Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, il dit celui qui fréquente les sages devient sage. Chasse-le.
nous devenons comme ce que nous fréquentons. Dans Actes 4, verset 1 à 13, la Bible dit, ils ont reconnu Jésus, les disciples de Christ, parce qu'ils ont été avec Jésus. Parce que leur comportement, leur manière de faire, on dit, non, ces gars-là, c'est non, c'est les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est ton ami? Qui est ton associé? Aucune malédiction ne peut régner pour nous les chrétiens. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Il y a des chrétiens, chaque jour, il y a un ami qui m'a appelé avant-hier. Non, hier plutôt. Il me dit, homme de Dieu, mon ministère est tombé. Ça ne va pas. Je viens vers toi pour que tu puisses m'aider. J'ai besoin de rebâtir mes fondements. Lui et moi, on s'est baptisés ensemble. Il est dans le ministère. Mais ce que j'ai fait dans la vie de cet ami, il est homme de Dieu. Mais chaque jour, il a problème dans le ministère parce qu'il dit qu'il n'est jamais délivré et que ce sont les démons qui sont toujours derrière lui qui fait qu'il n'arrive pas à avancer. Donc il m'appelle, il me dit non, j'ai besoin de faire un jeu de 21 jours pour rebâtir mes fondements. Tant que tu vas croire que ce sont les démons qui sont la base de ta pauvreté, tu ne seras jamais riche. La Bible dit dans Romains 8, verset 1. Qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois que c'est un sorcier qui t'empêche de prospérer, en frère, tu ne seras jamais béni. La foi est une puissance. La foi est une puissance. On devient ce qu'on croit. Je veux que ce matin, tu changes ta manière de croire. Il faut croire que Dieu peut te bénir. Ne crois plus. C'est une malédiction qui tient encore. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Écoute-moi très bien. Une personne que son père a maudit, mais qui est devenue puissante. Nous allons lire ensemble. Genèse 28, verset 3 à 4. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. Amen. Écoutez très bien. C'est Isaac qui a décidé de bénir un de ses enfants parce qu'il devait mourir. Et sa femme, ayant vu que son mari veut bénir son fils aîné, Isaïe, a dit à son fils Caïn, va vite, parce que ton père veut bénir ton grand frère. Si ton père t'a béni, si ton père a béni ton grand frère, c'est pas bon. Moi je t'aime, je veux que tu prennes la bénédiction. Et par la manigance de sa mère, Jacob s'est présenté avec tous les accessoires de son grand frère, avec l'offrande qui embrouillait la voix, il veut dire l'odorat et l'ouïe de son père. Alléluia. Et là, il dit, son père a dit, j'entends la voix d'Ésaü, mais sa main, c'est la main, et j'entends la voix de Jacob, mais son bras, c'est le bras d'Ésaü. Il sent son vêtement, il voit que c'est le parfum d'Esaü. La Bible dit, le père Isaac va prononcer 9 bénédictions sur la vie de son fils. Que Dieu te donne de la rose du ciel, ça fait 1. De la graisse, de la terre, ça fait 2. Du blé et du vin en abondance, ça fait 3. Il dit que des peuples te soient soumis, ça fait 4. Et que des nations se posent devant toi, ça fait 5. Il dit, sois le maître de tes frères, ça fait 6. Il dit, que les fils de ta mère se procèdent devant toi, ça fait 7. Il dit, maudit soit quiconque te maudira, ça fait 8. Et béni soit quiconque te bénira, ça fait 9. Jacob a été béni par son père. Quand son fils est né,
Il dit, papa, j'ai envoyé la nourriture. Il dit, mais est venu avant. Et qu'elle vient avant toi. Il a su automatiquement que c'est son petit frère. Alléluia. Elle me dit, son cœur va se déchirer. Il va commencer à pleurer. Il va dire, Père, bénis-moi. Père, bénis-moi. Son père va lui dire, j'ai tout donné ma bénédiction à ton petit frère. Je l'ai rendu maître de toi. Tu vas te prospérer devant lui. Au verset 38, Esaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Cette seule bénédiction, ça veut dire que Esaïe a reçu une seule bénédiction. Alléluia. Il dit, Esaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaïe éleva la voix et pleura. Je veux dire que quelqu'un ne pleure pas. Alléluia. Si ton père n'a pas conçu une maison, toi, tu vas construire. Si ta mère n'a pas connu le mariage de l'État, toi, tu vas connaître le mariage de l'État. Aucune malédiction ne peut susciter à la puissance du sang de l'agneau. Aucune malédiction ne peut résister. Esaïe a pleuré et il a dit, Père, n'as-tu que cette une seule bénédiction pour moi? Amen. Il avait la haine contre son frère. Il voulait tuer son frère. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas la haine contre ceux qui réussissent. N'aie pas la haine contre tes frères qui tu les vois, pas que la grande soeur. Tes petites soeurs se marient. Dans l'église, tu fais tout. Et chaque fois, tu vois que ceux qui viennent à l'église sont ceux qui se marient et gagnent du travail. N'aie pas la haine contre eux. Parce que ton temps arrive. Ce qu'il te faut, il faut croire seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce qu'il te faut, il te faut des bonnes connexions. Avoir de bons amis. La Bible dit, Esaïe a décidé de tuer son frère. Quand son père et sa mère ont appris cela, ils ont décidé d'envoyer les fils chez l'un des frères de sa mère. Alléluia. Mais ce qui m'a étonné, quand Esaïe a dit à son papa, Père, bénis-moi, son papa dit, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si ton père a béni les autres et que toi tu n'as pas été béni, laisse-moi te dire, le Dieu des pères, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? J'ai découvert que Jacques aimait aussi Jacob. Parce que quand nous lisons Genèse 28, le verset 3 à 4, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. Amen. Le père qui a dit qu'il n'a plus de bénédiction pour son fils, on découvre en Genèse 28 que le père en a donné encore 4 bénédictions à celui qui a reçu 9. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, ça fait 1. Te rend fécond et te multiplie, ça fait 2. Afin que tu deviennes une multitude de peuples, ça fait 3. Qu'il te donne de la bénédiction d'Abraham, ça fait 4. Et à toi et à ta postérité avec toi, ça fait 5. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham, ça fait 6. Je découvre que le père qui a dit à son fils qu'il n'a plus de bénédiction, quand son fils fuyait, il a encore prononcé 5 bénédictions sur la vie de son fils. 9 plus 5, ça fait 14. Jacob a reçu 14 bénédictions de la part de son père.
Mais Esaü en a reçu une seule bénédiction. Alléluia. La Bible dit, son père va dire à son fils Jacob, je te demande une chose, si tu veux que ta vie soit prospère, s'il te plaît, il ne faut pas te marier avec une femme cananéenne. Au moins il parlait, Esaü a entendu la voix de son père. Son père donnait conseil à son petit frère, il ne faut pas te marier avec une femme cananéenne. Le mariage peut conduire quelqu'un à la prospérité ou à la discipline ou à la malédiction. Alléluia. Et des gens qui sont mariés avec des femmes, et leur vie s'est propulsée par les devants. D'autres sont mariés aussi, et ils ont découvert que tout a chuté dans leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La connexion, l'association. Esaü avait une seule bénédiction. Il cherchait à recevoir la bénédiction de son père, n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu que son papa a donné des conseils à son petit frère de ne pas se marier à une cananéenne, donc il a su qu'avec les cananéennes, si tu les maries, tu peux être prospère. Esaü avait une vision de la prospérité, il avait une vision de la grandeur. Amen. Mais il n'avait pas de faveur. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Esaü est allé se marier avec la fille de Ismaël. Quand vous lisez Genèse 17, verset 20, vous découvrez que lorsque Agar fuyait et que Dieu, l'ange l'a arrêté, l'ange a prononcé des bénédictions sur la vie de l'enfant qui va sortir. L'ange a dit que l'enfant va sortir, de lui va sortir 12 princes, avec des 12 royaumes, et il sera béni à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Esaü va se connecter à la fille d'Ismaël afin de recevoir la faveur qui se trouve dans la fille d'Ismaël, la connexion. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jacob est parti. Il allait travailler sur son beau-père, Laban, il s'est marié. Il a été béni selon la parole de son père. Il a été béni par le travail qu'il a fait là-bas. Jacob a été béni. Il a reçu beaucoup de biens. Il a reçu beaucoup, je veux dire, de matériel. Des brebis, des chameaux, toutes sortes de choses il a eu cela. Il a décidé de rentrer dans son pays. Dans son esprit, son grand frère a reçu une seule bénédiction. Donc son grand frère, si son grand frère le voit avec la bénédiction, son grand frère risque d'avoir et être jaloux et de le tuer. Alléluia. Elle dit que sur le chemin de retour de Jacob, il revenait avec une grande famille. Il avait des enfants. Il avait des femmes. Il avait des serviteurs. Arrivé à quelques kilomètres de là où il devait rester, il savait que son grand frère est resté dans ce territoire. Il a envoyé des serviteurs pour aller avec des bénédictions dans la présence de son grand frère. Pour que son grand frère va voir ces bénédictions, la haine qu'il avait dans son cœur va s'apaiser. Et son grand frère va le tuer. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est foutaise. Alléluia. Vous dites c'est foutaise. Amen. La Bible dit, le mariage d'Isaac, d'Esaü, avec la fille de Ismaël. Esaü s'est connecté avec la fille d'Ismaël. Ça veut dire que Ismaël et Esaü s'est connecté avec 12 royaumes, 12 princes. À la grande surprise de Jacob, lorsqu'il revenait, il a placé ses enfants et ses femmes en rang. Parce que dans son cœur, il avait peur. Il avait beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces. Amen. Et son grand frère a su que son petit frère venait.
il s'est levé aussi avec son armée et il allait à la rencontre de son petit frère. Gloire à Dieu. Quand le petit frère a vu son grand frère de loin, il a commencé à trembler. La Bible dit, lorsque le grand frère a vu son petit frère, lorsque Isaïe a vu Jacob, son cœur était rempli de joie. Il a vu son petit frère. Au départ, son cœur était rempli de haine quand son père a béni son petit frère. Quelques années sont passées. Quand Isaïe a vu son petit frère, son cœur était rempli de joie. Lorsque son père prononçait la bénédiction sur la vie de Jacob, il dit, tes frères se prosterneront devant toi. Mais écoutez-moi bien, la rencontre, le contraire s'est passé. Au lieu que Jacob, au lieu que Esaü se prosterne devant son petit frère Jacob sur la parole de son père, la Bible dit, c'est Jacob et toute sa famille qui sont mis en genoux devant Esaü. Alléluia. Jacob avec Jacob et toute sa famille, c'est ceux qui sont mis en genoux. Parce que Esaü venait avec une armée, des hommes puissants. Il s'est présenté. Et puis, Jacob va dire, mon Seigneur, il appelle son grand frère, mon Seigneur, je te présente les offrandes. Il faut prendre cela. Il dit, mon petit, mais ça, garde ta bénédiction. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. La connexion. La connexion a propulsé Esaü qui était maudit par son père à rentrer dans une grande abondance. Je vais dire à quelqu'un, tes amis sont partis en Europe, aller se chercher et ils t'envoient des numéros pour te dire, pour retirer 100 000 francs, Western Union. Parce qu'il s'est dit que c'est en Europe, là-bas, il a reçu, il t'a laissé en Côte d'Ivoire. Il dit, toi, tu n'es rien, tu es dans la Grèce. Mais il ne sait pas qu'un Dieu tout-puissant, son nom c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il retire les disons du fumier et le fait asseoir à la table des grands. Même en Côte d'Ivoire ici, quelle que soit ta position, l'Éternel peut te bénir et te propulser dans le royaume. Et un homme millionnaire, un homme milliardaire. Alléluia. Alléluia. Je sais que quelqu'un parmi nous ce matin, qui a une vie qui ne va pas. Tes amis sont partis en Europe pour te laisser. Tes amis se sont, ils ont des voitures. Ils te montrent sur Facebook, sur le net, ce qu'ils font en Europe. Laisse-moi te dire, ils vont t'appeler pour te dire, mon frère, je rentre en Côte d'Ivoire. Je rentre en Côte d'Ivoire. Je veux que tu veux m'accueillir à l'aéroport. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu vas l'accueillir à l'aéroport, quand il va descendre, il va croire que tu es la même personne qui t'a laissé. Tu vas lui dire, mon frère, viens, moi, je te loge dans ma villa, je te loge dans mon palais. Je sais, parce que Dieu va changer ta vie. Ne crois pas à la malédiction, crois en Christ, parce que Dieu transforme la vie. Connectez-vous avec des gens qui peuvent vous amener à réussir. Si tu es pasteur, arrête de te connecter avec des pasteurs qui ne prient pas, avec des pasteurs qui n'ont pas de vision. Connecte-toi avec des pasteurs qui ont une canne d'église, des pasteurs qui sont des excellents. Et c'est leur ministère, va impacter ton ministère et tu verras que les choses vont changer. Alléluia, alléluia. La connexion propulse quelqu'un à la prospérité. Est-ce que tu m'entends? Ceux qui t'ont méprisé vont se prosterner devant de toi. Ceux qui t'ont négligé vont se prosterner devant de toi. Parce que le Dieu vivant va te positionner. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il y a un Dieu, 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 il y a un Dieu pour tout le monde. Dieu n'est pas favoritisme. C'est parce que tu es né dans une famille riche, que ton père est pauvre, ta mère est pauvre, ton père est paysan, que toi tu seras paysan. Non, Jésus est capable de te propulser, d'être un homme, une femme puissante dans ce pays. Est-ce que tu m'entends? Ici en Côte d'Ivoire, tu peux être une femme riche. Ici en Côte d'Ivoire, tu peux être un homme riche. Il est l'heure que vous levez. Il est l'heure que vous levez pour le travail. Connectez-vous. Séparez-vous de ceux qui ne font rien. Séparez-vous de ceux qui tombent. Séparez-vous de ceux qui ne prient pas. Séparez-vous de ceux qui vivent dans la publicité. Connectez-vous avec des hommes de valeur, avec des femmes de valeur, avec des personnes dignes. Et votre vie changera. Il y a un Dieu. Pentecôte. Jeune de Pentecôte. Retenez-vous en paix. À la séparation. Connexion. Jacob a cru que son grand frère était pauvre. Mais il ne savait pas que son grand frère se connectait avec 12 millions.
12 royaumes avec qui tu marches, qui est ton partenaire, qui est ton ami, qui te donne des conseils, qui est ton père spirituel. Si tu élèves ceux qui sont en classe, qui ont 4 témoins, qui ont 10 témoins, ne te connais pas eux. Va vers ceux qui ont 15 témoins. Va vers ceux qui ont 16 témoins. Est-ce que tu m'entends? Si tu n'as pas de valeur, même si tu n'es rien en mathématiques et que tu ne connais rien en mathématiques, cherche le premier maths. Connais-toi à lui. Dans seulement quelques mois, tu seras aussi mathématicien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui comprend la parole que je prêche? Est-ce qu'il y a des hommes ce matin qui comprennent la parole que je prêche? Est-ce que ce matin, il y a des hommes de destinée, il y a des femmes de destinée en ce lieu? Est-ce qu'il y a le futur banquier parmi nous? Est-ce qu'il y a le futur homme d'affaires parmi nous? Est-ce qu'il y a le futur roi parmi nous? Est-ce qu'il y a le futur directeur parmi nous? Est-ce qu'il y a le futur PDG parmi nous? Est-ce qu'ils sont là? Je vais les voir ce matin en poussant des cris de joie. Il faut que les fils se lèvent pour placer maintenant les étages, pour que l'église de Pentecôte soit une église, non pas R plus 1, mais R plus 24. Il y a un Dieu contre sur toi. Est-ce que tu m'entends? Il y a un Dieu contre sur toi. L'année prochaine, les gens vont donner 1 million, 2 millions, 10 millions pour l'œuvre de Dieu ici. Alléluia. Nous sommes les fils de Yahobio. Nous sommes les filles de Yahobio. Ils ont fait leur part. C'est à nous maintenant de se lever. Arrête d'être avec des personnes qui ne t'arrangent pas. Des personnes qui te mettent toujours derrière. Si tu as un camarade qui passe son temps à critiquer, si tu vas à la maison, enlevez un camarade en vous. Si tu es un pasteur, que tu as un camarade, quand vous partez pour vous réunir, vous ne faites que parler de tout ce qui est négatif sur l'église. À part d'aujourd'hui, ne connais pas de lui. Connais pas de ceux qui peuvent trouver des solutions pour l'église. Alléluia. Et je sais que vous êtes capable de donner des solutions pour l'église de Pentecôte. L'église de Pentecôte n'est pas morte. L'église de Pentecôte n'est pas morte. Elle passe à un temps de transition. 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 Il y a des hommes de Dieu qualifiés qui arrivent. Des servants de Dieu qualifiés qui arrivent. Il y a des hommes puissants qualifiés qui arrivent au sein de l'église de Pentecôte. Dieu va susciter des personnes au sein de l'église qui vont bouleverser l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. La Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia, alléluia. Il y a eu le temps de la porte Yaobio. Il y a eu le temps de la porte Akoyi. Il y a eu le temps de la porte Raymond. Maintenant c'est ton temps. 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 Il dit c'est ton temps maintenant. C'est ton temps. Est-ce que tu m'entends? Que Dieu soit avec toi. Si tu peux, lève-toi maintenant, commence à parler en larmes. Si tu es un champion, commence à parler en larmes. Parce que Dieu va te transformer. Parce que Dieu va te bénir. Parce que Dieu fera de toi un homme champion dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Dieu veut te bénir. Dieu veut te positionner. Ce qu'il faut, ce qu'il te faut, c'est de te connecter. Dieu veut te bénir. Il y a des personnes aujourd'hui. Auparavant, la vie était une vie d'excellence à cause des difficultés, à cause des problèmes. Parce qu'ils t'ont remis dans la société, t'as dit pour t'infini. Qui t'a dit pour t'infini?
père. La Cabosse. La Cabosse. Est-ce qu'il y a ce matin, il y a des femmes que tu vas bénir? Et qu'il y a des hommes qui vont? Et est-ce qu'il y a des hommes qui sont plongés de nous ce matin? Puis alors, bien aimé, par Dieu, dis Seigneur, c'est moi. Je sais que je ne suis pas maudit. Je sais qu'avec toi, je ferai des espoirs. Par Dieu ce matin, la Cabosse. Rabalabé, Rimanaton, Tabakant, Rainabos, écoute aussi Dieu. Sélectionnez les amis. Où je suis, j'ai peu d'amis. Est-ce que tu m'entends? Si quelqu'un, je ris. Je me fais comme je suis petit. En réalité, je suis petit. Je me couche. Mais mon esprit est grand. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Tous les fils de l'Église savent comment va être l'Église.
ils ont bien dans leur cœur le cri de futur. Ce matin que Dieu vous bénisse. Ce matin que Dieu vous bénisse. Dieu t'accorde une nouvelle vision. Il t'accorde une nouvelle mentalité. Ne crois plus. Ne crois plus. Ne crois plus à ce qui est négatif. Mais crois à ce qui est positif. Seigneur, ce matin, simplement, les chaînes sur ta main, sur tes bras sont brisées au nom de Jésus. Je dis à Satan qui se trouve derrière certaines personnes, et à cause de leurs difficultés, ce matin, prends tes bagages et sors la vie maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Lâche la vie maintenant. Le démon de ta famille te lâche parce que tu appartiens à Jésus-Christ. L'ancien Seigneur te libère de toute servitude au nom de Jésus-Christ. Et votre vie se propulse dans la prospérité au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez repositionnés dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dit Amen. Vraiment, je prie le Seigneur. Les autres, membres de la délégation, de partir, vous vous tenez simplement depuis votre place. Je suis très heureux et je crois que nous avons encore, ça la région Abidjan encore plus grand avec une délégation de 253 personnes. C'est un succès, c'est un succès. J'ai vu la jeunesse vraiment motivée. Je suis venu voir leur travail et vraiment ça, Dieu est avec eux. Et ce sont eux qui vont prendre la relève de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Donc en tout cas, c'est un succès. C'était un succès. Quelles informations vous pouvez donner à la jeunesse? Ben, ce que je voulais dire à la jeunesse, c'est que de continuer à œuvrer pour la gloire de Dieu. Parce que l'Église les appartient. La jeunesse, l'Église appartient à la jeunesse. Donc il faut qu'ils se lèvent par rapport à la parole que nous venons d'écouter. Ils doivent se lever, aller, prêcher la parole pour que des âmes soient gagnées à Christ et pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. Amen. Je me présente, je suis le pasteur Lambert Aouran, secrétaire général de l'église des Pentecôtes de Côte d'Ivoire. Je me trouve à Thiès Salé à la faveur de l'organisation de la retraite spirituelle de la jeunesse nationale. Je suis arrivé ce matin avec le vice-président et le régional Carlos. Il faut que je dise que j'ai été séduit. Je ne m'attendais pas à une qualité telle que celle que j'ai vue ce matin. Les jeunes sont venus en grand nombre. La prestation a été une prestation de maître au nom de Jésus. Et les dispositions aussi qui ont été prises sont des dispositions satisfaisantes. Nous apprenons que
La retraite spirituelle pour l'année prochaine se tiendra dans le sud Côte Moé. Ce que je souhaiterais, c'est que ça ait davantage de retentissement que celle que nous avons, celle à laquelle nous avons assisté ce matin. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il a démontré que lorsque on se confie à lui, on n'est point confus. La foi que les enfants ont démontrée a été une foi véritablement active et nous partons sur Abidjan avec le sentiment d'avoir assisté à une bonne organisation. Que le nom du Seigneur soit béni. How do I explain how God became a man? That man might be this answer, God.